Ce résumé vous est proposé par Nissan et PlayStation, sponsor de l'UEFA Champions League. Se retrouve plus haut, mais c'est bien vu ça pour écarter avec Danilo. On va chercher l'espace. Diaby qui doit défendre, il est un petit peu loin. Oh la passe, oh la passe, elle est superbe. Higuain, oh, il a voulu être trop altruiste avec Cristiano Ronaldo. Oh, il aurait dû frapper, ouais, c'est ce qui lui met d'ailleurs. La passe est trop puissante, mais il aurait dû shoter. Mais quel caviar de Danilo! Énorme possibilité. Et en attendant, Diaby est reparti. Bellarabi demande de l'autre côté. Diaby va frapper. Oh, poteau! Oh, oh, quelle frappe! La réponse du tac au tac signé Diaby. Ah, voilà, le match est définitivement lancé. Ça, c'est clair et net. Quelle pêche! Mais quel envoi de Diaby! Attention, danger! Il va frapper. Il va frapper! Oh, ça lèche le poteau! Évidemment qu'il va frapper. Lui, il peut être collectif, évidemment, le Portugais, mais il a faim de but. Il a tellement le sens du but qu'il ne va certainement pas gâcher ce genre d'opportunité. Diaby. Ouais, Bellarabi, il va rentrer dans le rectangle. Est-ce qu'il va frapper? Tiens, ouais, il va frapper. Oui, il va frapper. Et Buffon est là. Attention là avec cette perte de balle à l'entrée du rectangle. Bellarabi, là il est mieux mis pour frapper, mais il fait une superbe passe pour Kaya Wirtz. C'est dévié. Bonne sortie de Gianluigi Buffon. Ah, il s'en veut un petit peu, je pense, le jeune Allemand. Essayer de sortir proprement, c'est pas évident. Hein. Prennent de la place, les Bianconeri. Et là, le ballon est perdu. Pjanic, pour une passe dont il a le secret. Il joue simple avec Bernardeschi. Il résiste à la charge. Il joue bien, bien le coup là, Bernardeschi. Petit ballon pour Ronaldo, c'est but ça. Eh ben oui, évidemment, c'est but. Et non, c'est hors jeu. Ah, le Portugais est sanctionné. Il était en position hors jeu, Cristiano Ronaldo. Mais voilà comment ils font la différence aussi. Hein. Exploit individuel de Bernardeschi. Et effectivement, il y avait bel et bien hors-jeu. Il est net de Cristiano Ronaldo, qui avait pourtant retrouvé ses instincts de tueur. Oh, quel bon ballon. Quel bon ballon vers Dybala. Le centre vers Ronaldo. C'est clair, c'est net, c'est précis, c'est inévitable. C'est l'ouverture du score d'un certain Cristiano Ronaldo. Voilà. Enfin, l'ouverture du score de la Juve. Et comme par hasard, c'est des pieds du génialissime Portugais qu'elle vient. Enfin, qu'elle vient. On ne va pas sous-estimer l'énorme travail de Paulo Dybala juste avant. C'est le changement payant de Maurizio Sarri. Le changement gagnant du tacticien italien. Cette montée au jeu de Paulo Dybala et ce triton offensif qui va faire mal. Hein. Pour une fois qu'on les voit ensemble, Dybala, Higuain et Ronaldo. Bien vu de la part d'Aranguiz. Le revoici, le Chilien, il pousse un petit peu loin. Le ballon est récupéré justement par Havertz. Oh, le petit dribble, il est beau. Aranguiz, il n'y a pas de hors-jeu. La frappe, juste à côté du Chilien. La plus belle opportunité de cette deuxième période pour Leverkusen, assurément. Il a fallu attendre quasiment la fin de la rencontre. D'ailleurs, dans cette dribble, Higuain, la frappe, c'est but. Évidemment que c'est but.
La paire argentine qui fait la différence dans les arrêts de jeu et qui va sceller la victoire des Bianconeri ici à Leverkusen. Radetzky ne peut rien faire face à l'efficacité, face à la précision d'El Pipita Higuain. Et Dybala encore à la base de ce but. Vraiment le changement gagnant de Sarri. On savait qu'il était en forme et il fait la différence. Ce résumé vous a été proposé par Nissan et PlayStation, sponsor de l'UEFA Champions League.